Télémarais, bonsoir et bienvenue à mon émission Goûtez-moi ou Épousez-moi. Oui, oh, je suis en forme là. Je vois ça. Bonjour, nous sommes avec Laurent. Laurent, un autre Laurent. Quel est ton style de mec? Je les aime plutôt plus jeunes que moi. Plus jeune. Pas forcément grand, plutôt le visage, moi je suis assez sensible. Plutôt le visage. Et à la la psychologie aussi, hein. Ah oui, après ben ça c'est quand on veut que ça dure, c'est sûr que le mental c'est capital. Si tu avais un souhait à faire là maintenant, ce serait quoi? Me trouver un charmant jeune homme. Ok, pour qu'il t'accompagne manger. Qu'on m'accompagne longuement dans la vie. Crois-tu au prince charmant? Oui, j'y crois encore. Peut-être pas longtemps, mais j'y crois encore. C'est bien. Alors, ta série préférée? J'aime bien Arabesque. Queer as folk. Queer as folk. Arabesque. Que fais-tu en premier le matin quand tu te lèves? Il y a tes amis qui font des signes avec leurs mains, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est des mots. Non, je me lève doucement, je prends ma douche. Tu déjeunes? Ça dépend si je me réveille seul ou en bonne compagnie. Oui, ça dépend. Voudrais-tu m'épouser, hein? Mais oui, on me dit Daoud, mais qui ne voudrait pas t'épouser? Es-tu jaloux, hein, possessif ou les deux? Ouais, quand même, je pense. Ouais, mais je fais confiance, mais quand même jaloux, possessif. Ouais, je fais confiance. Ton plus gros fantasme? Ça peut être un acteur gay, un acteur de cul gay. Ah, mais j'aime ça bien, peut être j'aime... un ami à toi. J'aime bien le petit Justin dans Queer as Folk. La petite blonde, là? C'est la petite blonde? Non, mais c'est pas le plus gros fantasme non plus. Hein, mais... As-tu des piercings? J'en ai vu, oui. Là, et à l'oreille. Et des tatouages? Non. J'aime bien. Okay. Bon, ben Laurent, je te dis merci. Hein. Si vous voulez retrouver Laurent, vous savez où il est souvent, au Tropic Café avec moi. Voilà. En train de boire des jus de fruits. Télémarais, bonjour et bienvenue à mon émission Épousez-moi ou Goûtez-moi ou Goûtez-moi et Épousez-moi au cœur du Tropic Café. Salut, tu t'appelles comment? Samir. Samir, alors on voudrait tous savoir un truc. Vas-y. Il y a plein de gens qui se posent cette question. Moi et un ami intime. Hein. Alors, est-ce que tu as fait un plan à trois avec Michael et Camille? Non. Non. Donc c'est une fausse rumeur que tu viens d'enterrer. Voilà, je viens d'enterrer cette rumeur. C'est très bien, comme ça, voilà. Et pour faire poursuivre les rumeurs, parce que j'aime ça, je ne serais pas contre. Il ne serait pas contre. Est-ce que tu refuserais de coucher avec un mec qui a les cheveux gras? Les cheveux gras? J'emmène chez le coiffeur. Et t'es plutôt Laurie, Alizé ou Matt Pokora? J'essaie de regarder le torse, je dirais plutôt Matt Pokora, mais dans l'idée, non, Matt Pokora, je dirais Matt Pokora. Crois-tu en prince charmant? Ah, bien sûr. C'est un peu mon gros défaut, mais je crois beaucoup au prince charmant. Ton Disney préféré, c'est quoi? C'est Cendrillon. Cendrillon, bah ouais, carrément, là, on est en plein dedans. La souilleuse qui devient la princesse, ça m'a toujours plu. Si tu avais un souhait à faire, là, maintenant, ça serait quoi? Là, mon souhait à faire, ce serait que ça continue un peu comme ma vie se déroule, c'est-à-dire beaucoup de boulot. Mais un souhait quand même, c'est de rencontrer une personne qui correspondra à ce que je cherche, c'est-à-dire une personne gentille, agréable, mignonne... Tout comme moi. Tout comme toi. Je crois qu'il va écouter. Ton plus gros fantasme, c'est quoi? Oh là là. Mais c'est un réel fantasme, hein. Ne rigolez pas. Mais c'est sur la tour Montparnasse, en plein milieu du centre, en plein milieu du H d'hélicoptère, sous la pluie. Sous la pluie. Avec un mec, mais vraiment sous une pluie torrentielle. Ouais. Une pluie, oui, mais j'espère qu'il fera pas froid. J'essaie de faire en sorte sur des balcons avec la pluie, mais c'est pas pareil, je pense. Hein. T'es un acharné de la pluie? Ah, grave. Tu dois baiser souvent sous les douches, des trucs comme ça. Beaucoup. Oh là là, tuyaux d'arrosage. Tuyaux d'arrosage, tout. Les jardins. Comment tu fais pour faire durer le plaisir quand ça s'essouffle un peu? J'embrasse. Tu embrasses? Beaucoup. Okay. Beaucoup, beaucoup. Ton principal atout? Ta tchatche. Ouais. j'essaie de faire marcher mon cerveau, je pense. Ce qui est, je dirais pas rare parce que je n'ai pas la prétention, mais voilà. Mais d'autres personnes diront mon derrière. Quel est le dernier CD de variété française que tu as acheté? Que j'ai acheté? Bah écoute, ça remonte à loin, tu sais, la variété française. Ah, t'as pas acheté le dernier Mylène Farmer?
Non. Ah bon, non, je dirais pas que je suis pas, que j'aime pas Mylène Farmer, mais par contre sa couverture est très belle. Ouais, c'est super beau. De toute façon, Mylène Farmer, je respecte beaucoup, mais bon, je ne suis pas non. Il a pas été acheté son CD. Non. Il a pas acheté ton CD. Je suis désolé, Mylène, mais je t'aime bien quand même. Sur... Par contre, il a déjà acheté celui de Madonna. Non plus. Dis oui, pardon. Oui, j'ai acheté celui de Madonna et je l'adore d'ailleurs. J'adore. Bon. Ben, je te remercie. Je vais courir l'acheter d'ailleurs demain. Tu vas courir l'acheter. Je vais courir l'acheter. D'ailleurs, okay. C'est fermé là. Oui, c'est fermé. Oui, c'est fermé. Demain, hein. Demain j'irai. Ok. Bon, ben, je te remercie. Je te fais un bisou. Moi aussi. Et puis, bonne fin de soirée. Hein. À bientôt, Télémarais. Okay.